Avant de regarder de plus près à quoi ressemble une cellule musculaire, commençons par regarder d'un peu plus près comment est organisé ce muscle. On reconnaît ici le biceps, qui est attaché d'un côté à l'épaule et de l'autre côté à l'avant-bras, par ce qu'on appelle des tendons. Ce sont les tendons qui permettent aux muscles squelettiques d'être attachés aux os. Et si on veut avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passe à l'intérieur de ce muscle, ce qu'on va faire, c'est une sorte de coupe à ce niveau-là. Donc si on regarde maintenant cette coupe qu'on a faite, donc ce qu'on voit ici, c'est une section de ce muscle biceps qui se poursuit comme ça derrière et qui se continue par un tendon à ce niveau-là. Le tendon, c'est une sorte de tissu conjonctif qui permet d'attacher le muscle aux os de notre squelette. Et il est en quelque sorte en continuité avec du tissu conjonctif qui couvre la surface de tout le muscle, comme c'est la couche la plus externe du muscle, et que ce qui est au-dessus se dit épi en latin. On appelle ce tissu l'épimysium. Donc l'épimysium, c'est ce qui entoure ce muscle. Et quand je dis ce muscle, je ne parle pas seulement du muscle biceps, là c'est juste un exemple, mais ce serait valable pour d'autres muscles à d'autres endroits du corps. C'est ce qui entoure les muscles. Juste en dessous, on trouve une autre couche de tissu conjonctif. Qui forment des sortes de cercles comme ça. Et c'est ce qui délimite à l'intérieur du muscle des faisceaux. Donc ce qu'on voit ici, c'est un faisceau. Et ce qui entoure chacun de ces faisceaux, c'est ce qu'on appelle le périmysium. Parce que péri en latin veut dire en rond. Donc autour de chacun de ces faisceaux, le tissu conjonctif qu'on trouve à ce niveau-là, c'est le périmysium. Et si on y regarde d'encore plus près, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ce faisceau? Encore une nouvelle épaisseur de tissu conjonctif qui cette fois-ci entoure chacune des cellules musculaires. Je vais en dessiner une à ce niveau-là. Donc ce qu'on a là, c'est une cellule musculaire. Entourée par l'endomysium. Encore du tissu conjonctif qui se trouve à l'intérieur du muscle et qui recouvre chaque cellule musculaire individuellement. Quand on parle de cellules musculaires, c'est la même chose que de parler de fibres musculaires. Et ce que contient ce tissu conjonctif autour de chaque cellule musculaire, autour de chaque faisceau et autour de chaque muscle, ce sont les vaisseaux sanguins et les nerfs, les neurones, qui servent à faire fonctionner les cellules musculaires. Donc si on regarde maintenant cette cellule de plus près, je l'ai dessinée toute droite ici, mais en fait j'aurais dû faire des petits renflements. Je vais en dessiner une en plus grand ici.
Et à quoi correspondent toutes ces petites bosses qu'on voit à la surface de cette cellule? Je crois que j'ai entendu quelqu'un dire que ça correspond au noyau. Parce que les noyaux des cellules musculaires squelettiques sont situés en périphérie des cellules. Et ils soulèvent en quelque sorte la membrane plasmique de ces cellules. La membrane plasmique de ces cellules a elle aussi un nom particulier. On l'appelle le sarcolemme. Sarco, ça veut dire chair en grec. Donc le sarcolemme, c'est la membrane plasmique des cellules qui constituent la chair, c'est-à-dire les muscles de notre corps. Et logiquement, le cytoplasme de ces cellules s'appelle le sarcoplasme. Et si on y regarde d'encore plus près, ce qu'on voit à l'intérieur de ces cellules musculaires, ce sont des unités encore plus petites Je vais en faire dépasser une par ici. Et cette petite partie d'une cellule musculaire, qui est un ensemble de protéines musculaires, c'est ce qu'on appelle une myofibrille. Myo, ça veut dire muscle en latin, et fibrille, petite fibre. Donc à l'intérieur d'une cellule musculaire, d'une fibre musculaire, on a une grande quantité de myofibrilles. Et si on regarde ces myofibrilles de plus près, avec un microscope, eh bien c'est là qu'on comprend pourquoi on parle de muscles striés. Donc si on y regarde d'encore plus près, ce qu'on voit en premier, quand on regarde au microscope, ce sont ces stries qu'on appelle les lignes Z. Et l'espace entre deux lignes Z, c'est ce qu'on appelle un sarcomère. Mère, ça veut dire partie. Donc la plus petite unité du muscle, c'est ce qu'on appelle le sarcomère. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce sarcomère? Eh bien, ce sont les protéines musculaires. Sont organisées de façon très structurée et qui donnent l'impression quand on les regarde au microscope que dans chaque sarcomère il y a des zones plus claires ou plus foncées selon la densité de protéines à cet endroit-là et les propriétés optiques de ces protéines. C'est comme ça qu'on a défini à l'intérieur des sarcomères une zone qu'on appelle la bande A et une autre que je vais marquer ici. On appelle la bande I. Si on regarde d'encore plus près, un seul de ces sarcomères, ces protéines qui sont ancrées ici au niveau de la strie Z, celles qu'on voyait là, eh bien, ces protéines, ce sont les filaments d'actine. Et ce qu'on a entre les filaments d'actine, eh bien, ce sont les filaments de myosine. Avec leurs deux têtes. Que je vais représenter comme ça. Et c'est ce qui tire sur l'actine en quelque sorte, comme si ces deux petites têtes permettaient à la myosine d'avancer sur les filaments d'actine au moment de la contraction musculaire. Il y en a aussi dans l'autre sens.
Donc ça, c'est la myosine. Et ce qui retient la myosine dans le sarcomère, c'est une autre protéine qu'on appelle la titine. Et donc ce qu'on voit, c'est que ce qui correspond à la bande A, c'est la zone où la myosine et l'actine se font face. Alors qu'au niveau des bandes I, on a quelque chose de plus clair qui correspond à un endroit où les filaments de myosine et d'actine ne se chevauchent pas. Donc maintenant, voyons ce qui se passe quand un axone apporte un signal de contraction musculaire, un potentiel d'action qui va dépolariser la membrane plasmique, le sarcolemme de cette cellule musculaire. Et ce qu'il y a de spécial dans cette membrane des cellules musculaires, c'est qu'elle forme plein de petits creux qui plongent à l'intérieur de la cellule, entre les myofibrilles, et qui amène la dépolarisation très rapidement au niveau de chacune de ces myofibrilles. Et ce qui va se passer, c'est que au niveau de chacune de ces myofibrilles, sous l'effet du calcium qui est libéré au moment de la dépolarisation, on va avoir un mouvement au niveau des têtes de myosine. En fait, c'est comme si chacune de ces têtes de myosine tirait sur le filament d'actine le plus proche. Et donc les deux lignes Z se retrouvent plus proches l'une de l'autre. Et si chaque sarcomère est plus court à l'intérieur de chaque myofibrille, alors chaque cellule musculaire est plus courte, chaque faisceau de fibres musculaires est plus court également, ce qui au final aboutit au raccourcissement du muscle lui-même, et qui nous permet, dans le cas du biceps, de rapprocher l'avant-bras de l'épaule.